Nazo Senga va libérer journaliste Patrick Lokala. Affaire na yeza avec un individu accusateur na ye pour l'intérêt. Il y a image à gouvernement à retirer plainte wana. Madame Fifi Masuka, comportement au azo même à niveau loi là-bas, c'est tout à fait la femme Jézabel ya Bible. A bandit politique au babenga ya chasse aux sorcières. Donc même ba journaliste au d'investigation mingi bazana ki chasse awa. Ba kimi loi là-bas à cause ya madame Fifi Masuka. La Jézabel de Lualaba. Azo intimidé batou politiquement à niveau ya Lualaba. Madame Fifi Masuka a quelque soit entreprise. Evince Congo. Eza entreprise ya un Ivoirien, beau frère ya Laurent Gbagbo. Il fallait ba sal au moins 5000 poteaux. Conseillez-moi au président Pazan la Katia Kop pour anna ou a même marché. Comme on est Dani Banza. Poteau mon copo na bango. Eza na 5000 $. Au moment où société mon local Dev Solaire et autres salles sa porto moko ya mwinda na $1,400. Bon mona kimoi ya Fifi Masuka. Oyo Fifi Masuka ba okabola na ivoirien na Dani Banza ba conseiller ba okabola mbongo wana $6,900,000. Totika ko kolanda ba sourire ya femme wana ya une mafia bien planifiée organisée na niveau ya Lualaba. Denis Sesanga Longwe, Union Sacrée, il y a d'autres politiciens, Bazaba politicien caméléon, Olivier Kamita. Nazo maître est déjà mis en garde. Je vois, il a encore la mentalité, il y a la rébellion. L'élection de Kadima à la CENI n'est pas la volonté de l'IDPS. Notre cardinal Ambongo, sur base, il y a un sentiment tribaliste. Il ne veut pas de Kadima sur base à prouver vraiment que lui c'est un tribaliste. Ambongo vient de prouver devant l'opinion nationale internationale qu'il y a Mbongo qui a la Bible. Ambongo, au hasard, babengi, netimo santu, akende ko funda batu, et pas Denis Sassou Nguesso, au hasard, neti démon. Est-ce que mon santu a quelqu'un qui funda mutu, et pas au babengi démon? Moté Belandia Plus Claire Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel, grâce à une fois de plus. Na banda kuna bino na numéro 64 et awa bi pas le point de presse les ayi ko salama. Tout me ka ko ebani ne kolo ma. Awa na prendre presse na biso ya mokolo molilo. Na zami vraiment na essengo mingi ya ko présenter les bino et monsieur mokolo molilo na sima caméra. To zama ki na popola yombe na na commentateur na ngai opi mon feu ko. Pourquoi pas aussi à Simo Bakanaté, pays Simon Bengi, na SP Pauvre à Passeport Rouge. On est toujours branché sur Plus Claire Télévision pour rien rater. Merci. Salut la presse libre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De vous répondre dans le but de communiquer sur la situation de notre Congo. Donc merci de vous répondre à l'invitation. Il y a Armée des bâtisseurs qui se résistent. C'est une association au sein de l'IDPS Tshisekedi. Je vais aborder beaucoup de points après mon voyage du Katanga où j'étais na Kendai ko rendre hommage à l'un des pères fondateurs ya IDPS Oyo babengi na kombo ya Baba Kingwa Kumwanza. Depuis na uta Katanga na adopta ki o babengi mode d'observation. Mais vu la situation et l'évolution politique, nous sommes obligés à briser silence, à briser mode d'observation pour nous communiquer. Je vous remercie d'avoir répondu à l'état-major politique et armée des bâtisseurs tshisekedistes. Et je profite de cette occasion pour nous féliciter le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Wandani, dans l'organisation Nyon Swasala qui n'a pas obsèque, il
Yakungwa Kumwanza, Baba, il est parmi les fondateurs de l'UDPS. Donc, il est parmi les 13 parlementaires. Je remercie Jacques Kaboula Wandani, le gouverneur. Donc, le représentant valable du président de la République, Félix, dans le Haut-Katanga. Et après Katanga, nous adoptons un mode d'observation. Premier point on a abordé le lot, c'est l'union sacrée de la nation. L'union sacrée est une idée moko géniale. Il y a chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour tous une nouvel élan. C'est-à-dire, c'était suite à Mambo et Salamaki, nouvel élan sans le FCC, les adeptes de Kingakati, il y a Kabila. C'est l'union sacrée. Donc, FCC, on a souvent front des criminels du Congo. Le président a créé l'union sacrée pour tous un nouvel élan sans bango. Donc, l'adhésion dans l'union sacrée, comme dans tout mouvement, est libre. Donc, au Congo, dans l'union sacrée, de même pour l'union sacrée, est libre. Soko lingo longwano union sacrée pour des raisons où y a yo mo personnel aux apé libre. Ça c'est selon ma compréhension. L'union sacrée eza o babé en français synergie pour une gouvernance selon la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. L'union sacrée est constituée pour to bomato bannir les FCC qui au Babanda qu'on considère Congo comme carrière nabango d'exploitation au détriment de tous les peuples congolais. L'union sacrée est fragilisée par l'arrogance. L'union sacrée est comme une kolemba à cause ya ki orgueil na ki bonga yoyo. Arrogance est côté na kati union sacrée. L'union sacrée est fragilisée. L'union sacrée comme kolemba à cause ya ba extrémistes. C'est-à-dire bato ba sala la politique na mouté mamabe des partis politiques au bazo constitué en haut. Waneza ko aider chef de l'État tété. Je parle ici tant que gardien du temple, l'élève du Sphinx. Les extrémistes bato mité mamabe ba comme ko fragiliser union sacrée. À cet instant, dans le cas Kabila, bazo prophétiser au babengi échec. Y a pouvoir oyo Bisotozo n'a pris, il y a des gaz lacrymogènes, n'a pris, il y a des blessures, n'a pris, il y a des mouébélés. Nous sommes obligés, nous, de se surmonter, de se supporter dans la union sacrée. Je suis jeune, mais moi, mon cas est en Mbundapé, Bakolo, Bayo Kaka. Je regrette, il y a des gens autour du président Félix qui sont là pour les intérêts personnels, qui disent. Dans Bazaga, pour nous intérêt personnel, Bazaga a un discours vis-à-vis de partenaire politique. C'est-à-dire nos frères de l'Union sacrée. Batumisu Baza Pembe, Ninakati, il y a eu des pèses. Langage n'a pas un langage moro, Yamabe vis-à-vis de ma partenaire Nabiso, il y a l'Union sacrée. À cause de conflit, il y a Kala. Il y a l'Union sacrée. Il y a conflit, il y a un rassemblement. Le conflit na bango ya ba Genval ba zo ngo ba memi na kati ya union sacrée des conflits intérieurs na ba jalousie na bango po mususu ko ala za na mbongo to ba bilo mo ndengwa il fragilise l'union sacrée chez nos partenaires aussi wana lobe na ba toyi de pes ba tumisusu na mtema mabe pe ba zo lobe la pe ba frère na biso ba parti frère maloba mabe côté ba partenaire na biso chez nos partenaires il y a des gens autour des autres leaders. Bazana ba comportement mo ya mabé, arrogance vis-à-vis même pas ya UDPS mais vis-à-vis même ya président de la République. Kaneti ya Olivier Kamitat. Donc azana arrogance mo boye, ezo pesa même pas propre à kozalalem sou pembeni ya président Moïse Katumbi. Là, je félicite Bato Bazane Pembe na Moïse Katumbi neti ba Salomon Escadela, ba Francis Kalombo, oh bazo sala le tout
pour que maman apaisement dans la tension, parce que dans ta famille, il y a toujours eu des problèmes. Donc, mais Olivier Kamita, tout, Azan a moins. Donc, tu peux manquer lui de presse, c'est un mouvement. Mais tu ne peux pas manquer la personne du président de la République, au hasard, personne, mot sacré. Le président de la République est sacré. Olivier Kamita n'a pas de respect vis-à-vis du président de la République. Ça, on ne va pas accepter ça, nous, de l'UDPS. Donc, nous avons maître déjà mis en garde. Je vois, il a encore la mentalité, il y a la rébellion. Sa place n'est pas dans l'ensemble de Moïse Katumbi. Il y a la mentalité, il y a la rébellion. Manquer le président de la République, nous, on ne va pas tolérer ça. Tout quand on dit Mangote Bisouba combattant. Le président des partis politiques, Moïse Katumbi, le président de l'ensemble, et le président Félix Bazaba frère. Nakolo Bagi Bazaba frère, dans le sens ni, Bakoriko Zanao, Babengi contradiction, mais contradiction, Anna, et Koriko Zalate, et Komao, Babengi séparation. Na idée ya intérêt supérieur ya nation. Tout ça là où ba bengi maturité politique. Na idée ya intérêt supérieur ya nation. Tout le monde na ba Côte d'Ivoire, ba Laurent Gbagbo, ba metake Ouattara tchaké Libanda mais leur azongi akomona Ouattara pour na intérêt supérieur ya Côte d'Ivoire. Nous devons faire ba bengi la politique de la maturité. Topé sa place té na ba ba bengi ba ange. Bah, ange de la séparation. C'est-à-dire, il y a des anges de la séparation au Bazolinga, pour relever défi majeur pour développer le Congo. Deuxième point à développer, c'est la diplomatie fasciste. Binonyo Sobomonaki, Makambwe Salamakina, COP 26. Une réussite, il y a Congo. Congo est comme un pays solution contre le réfugié. Réchauffement climatique. Toye banamboko ka minerai coltan uranium manganèse sokina bété babilo tout batangila biso. Mais pour la première fois biso tout toyo ki pona forêt zamba 500 millions. C'est quand même quelque chose à féliciter. Biso to sukamini na badiama. Mais banzete forêt mbongo mo eye 500 millions. Pe na camouflage té. Mais dans le cadre toujours, il y a oh, babengi, diplomatie fasciste et l'oko amakasi auto et salami, toyo kaka babenyanya Netanyahu na Israël. Non, tout le monde a présent Israël, te ya yamba présent mo Afrique sondeni. Mais bon, mon ami Fati Bayambie, par le présent israélien, coopération ya biso na Israël, so bon, mon ami américain va privilégier la coopération. Na Israël, c'est que Israël est pays pays à pamba pamba té. Coopération na biso na Israël, c'est déjà au babengi grand chose. C'est pas de l'eau à boire. Mais il y a des politiciens perroquets oyo bazo leka baloba ke leader pèse abimisa kimbongo na tina batu bazala mobiliser. Je dois dire à l'opinion nationale et internationale, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti numéro 1 de la RDC, et ça, bengi usine ya politique. Je dis usine. Pour to bimisa, ba te belé, na y de pes. Donc, to bimisa, ba te belé, na bando tanga, c'est toute une émission. To za usine, toi machine, te. C'est-à-dire, mobilisation et ça donne abisso. Mobilisation et ça donne abisso. Comment on peut corrompre les gens dans la mobilisation au Bassali d'un jour avant l'arrivée? On ne peut pas corrompre la mobilisation au Bassali un jour avant l'arrivée. Le résultat au président Zouaki na COP 26, il y a un des salaki qui est peuplé à Kende. Hein? Les gens doivent se taire. Nous sommes un parti. Oyo. Ils n'ont pas de preuves. Nous sommes un parti. Nous organisons. Nous avons amené Fatih à pouvoir contribuer à l'opération 1 dollar
pour Fatinga, on a bandé au récolteur, on a bandé au ticket, on a banque moi à place. Les gens ont donné des 10 000 euros. Moi, j'ai vu ça dans une banque de la place que je ne peux pas faire la publicité ici. L'IDP, c'est un parti dont les combattants, bah, ça leur a sacrifice, qu'on ne vienne pas nous comparer avec les PPRD au Bazoua qui banque source de financement à Bango. Troisième élo, on a l'obéla, affaire RAM. Affaire RAM, j'ai vu d'autres personnes de mon parti. Oh, les bas, c'est la tisséridisme. Bah, comme que c'est le sentiment. C'est notre gouvernement. Mais le gouvernement est composé. Quelqu'un peut amener une idée. Oh, peut-être, ils ont une philosophie, ils ont une social-démocrate. Ils ont une social-démocrate. Son a moi loin dans le bateau à socialiste. La majorité de la population dont le régime Kabila a légué la misère ne supporte pas cette soustraction de la taxe RAM. Peuple a supporté en côté. J'ai dit ça tant que de la République gardien du temple. Le peuple ne supporte pas ça. Qu'on n'amène pas Babylon au monde, oh, il y a un petit peu de temps, il y a Lobi ba pime la fati, lem sous voix moko, na ou ba bengi na irne. A cause de ba mesir lucratif. Ram wana, peuple a lingi na e yangote. Nous sommes un pouvoir du peuple d'abord. Nous sommes des social-démocrates. Nous devons faire ce que le peuple veut. Je parle comme tu sais que dans le Nouveau Testament. Le peuple veut quoi? C'est ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas des capitalistes. Nous sommes de la famille de l'intersocialiste. Que demande le peuple? Le peuple demande la suppression de la taxe RAM. Faisons ce que le peuple demande. Tout se contredit, c'est le fondamental de l'UDPS. Quatrième point que je développe, c'est l'UDPS aujourd'hui. UDPS, nous sommes obligés aujourd'hui, malgré nos divergences, c'est-à-dire malgré ma canisinabiso au Ezaya Rokabwana, de penser, ma canisinabiso y a pensé, ma contradiction nabiso, etc. Pour réussir fatidé, c'est-à-dire deuxième mandat, on doit enterrer au babengi ma contradiction nabiso, nos conflits de famille. Je demande à tous. Avec tout le respect, la présidente de la République, au hasard, autorité morale Nabiso. C'est-à-dire, autorité morale Nabiso, au hasard, Félix Tshisekedi. À réunir les deux camps, c'est-à-dire les camps Kabound et Kabuya et les camps Wakwenda et Gibao. Quand il y a l'article 26, dans le but de sauver l'héritage de l'IDPS, au Tshisekedi le père a tiqué la biso. Parce que Batoubako risque Baboumana. A cet effet, de ma part, tant que gardien du temple, de la démocratie, pour arriver à une situation de paix, notre objectif est un deuxième mandat. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous mobilisons, nous l'IDPS dans l'unité. Nous allons réussir notre deuxième mandat. Mais si il y a des obabengi, des contradictions internes entre Bissot, ça nous serait un peu difficile, même si nous avons des alliés. Nous devons compter d'abord avec nous, l'IDPS. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour demander pardon qu'au bandana parlementaire debout. Demander pardon. Na ba langage misusu oye koiko a l'état qui moutou mal à l'aise. Na Augustin Kabuya. Demandez pardon. Na Jama Kabound. Demandez pardon na famille à présent. Je peux les avoir lésés, peut-être na ba langage. Dans les bits, tozong en apaisement parce que je suis l'un des mobilisateurs que le père a nommé avant sa mort. Je demande pardon. Na parlementaire debout, oh, peut-être, langage n'a pas été mal à l'aise. Na Augustin Kabuya, na Jama Kabun, na famille à président, na Sengi Bango, pardon, na cadre,
tous à la paix parce que les élections c'est dans quelques jours. Par rapport aux élections, l'IDPS qui a gagné, des élections de 2018 contre le plan machiavélique de Kan Kabila n'a pas perdu des élections. Kabila, il y a une machine à voter, nous avons dit nous allons affronter ça. Mais n'a pas peur des élections. Mais l'IDPS ne veut pas faire des élections comme de 2006-2011. L'IDPS est prêt pour les élections avec recensement ou sans recensement. Parce qu'on nous accuse, ceux qui sont sales, ils ont un recensement pour te glisser. Maintenant, nous disons que nous sommes prêts d'aller aux élections avec recensement ou sans recensement. Et nous allons gagner les élections. L'IDPS, l'élection de Kadima à la CENI n'est pas la volonté de l'IDPS. L'élection de Kadima à la CENI et Zao Balobi trouvaient un consensus de. Il fallait les canavotes 6 contre 2. C'est-à-dire la majorité a choisi Kadima. Mais à notre grande surprise, notre cardinal Ambongo, sur base de sentiment tribaliste, il ne veut pas de Kadima sur base, a prouvé vraiment que lui c'est un tribaliste. Il ne veut pas de Kadima. Et le cardinal Ambongo a sala ba plan ba piège banini a traversé qui a accueilli Brazzaville comme on a Sassou le président Denis Sassou Nguesso na cadre a expliqué a désinformé à cause de la situation politique au zo le kanamboka. Vraiment je commence à regretter cardinal Maloula. Ambongo vient de prouver devant l'opinion nationale internationale qu'à Lingi Mbongo Kolekana Bible. Ambongo va chez Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, qui chez lui, il a 35 ans du pouvoir. Déjà, il est sur les pas d'un roi. Qui chez lui, il n'y a pas de CENI. C'est son gouvernement qui organise les élections. Qui chez lui, les candidats de l'opposition à la présidence, Koufaka, un jour avant l'élection, Ambongo va là-bas pour aller nous accuser, donner information selon version Naï. Et quand nous sommes Ambongo, Oyazao Babengi, Netimo Santu, Akendeko Fundabatu, et pas Denis Sassou Nguesso, Oyaza Neti démon. Est-ce que mon Santu a quelqu'un au Funda, Moutou? Et pas, Oyo Babengi démon. Point d'interrogation, Binomo Bopé sa réponse. Situation à l'Est. Situation de l'Est. Tant que gardien du temple, je demande au Premier ministre Sama. Va mobiliser les fonds pour soutenir les voyants combattants de la FARDC. Il y a un problème de fonds là-bas. Et à part ça, à part l'armée kenyane, auto senga qui va apporter des secours pour tout bouter les terroristes. Parce que maintenant, ils ont des terroristes. Ça sort de partout, on tue les gens, c'est du terrorisme. À part l'armée kenyane, dans le senga de Mokonzamboka, au hasard, chef suprême des armées, a consulté au Babengi top 10 des armées. Il y a des armées au Bazana top 10 des armées. Na idée, tokokako finir na makambouana ya est. On a tué les gens à Bukavu. Vraiment, mes condoléances. Tant que combattant de la liberté, na ba famille nyonso ba perdaki bandeko na bango na niveau ya est. En rapport à budget Oyezoya, je demande la sécurité par rapport à ma est, le social.
Je demande pour l'éducation. Bati kagola na budget mobo na kati batie réhabilitation ya sala sena ba budget mobo oyo ya ba biloko mo ezangati na réhabilitation sala sena ndeke ta botika biloko wana même si nous sommes majoritaires. Total éducation gratuité za mo ba problème ba mbongo wana baisse des trains de vie ya ba institution. Jamais l'institution école qui va fonctionner en nyonso ya mboka na mbongo. Il faut pas diminuer. Tout le monde a Thomas Sankara, le ministre, et le Peugeot. Il faut pas diminuer Marambouana. À tout moment, il y a Hyundai. On a combien d'ambulances ici? Baisse des trains de vie à l'institution. Parlement, présidence de la République. Je commence par la présidence de la République, Parlement, Sénat. Il faut pas baisser Makamnabango. En rapport avec la liberté de la presse. Armée des bâtisseurs, Tshisekedi, c'est un mouvement politico-social dans le cadre de l'UDPS. Les fondamentaux, la ligne, il y a les pères. Tout ça pour nous, la liberté de presse. Nous avons va libérer journaliste. La presse est au babengi quatrième pouvoir. Va libérer journaliste Patrick Lokala. Affaire naeza avec un individu, mais ezo bimaneti ezo pe impression c'est notre gouvernement. Accusateur naye pour l'intérêt. Il y a une marge à gouvernement à retirer plein de toi. Va libérer parti de local. Ils ont sali l'image. Il y a un gouvernement. Il y a les peuples d'abord. En rapport, je demande la libération. La situation de loi là-bas, place Mbongwe Utaka. Nako décortiqué Ango. Loi là-bas, c'est les poumons. Économie de la RDC. À loi là-bas, et à la qui na situation, oh, on va suspendre qui le gouverneur Richard Mouège. Intérim nae et Salamaki et pas madame Fifi Masuka. Madame Fifi Masuka, l'air à Koti, à Komikolinga, à Siamanakiti, à Vandalibela. À Komikozwa Mbongo ya loi là-bas. Quand il a copé ça, bah juge corrompu, quelques juges corrompus, il y a cour constitutionnelle, pour qu'ils soient arrêtés, il y a que Bois qui s'amouège, il est à Vanda. Madame Fifi Masuka, en faisant l'intérim, a bandi la planification à Ewana. Là-bas, Koko Sabatou, que ce qui est qui chasse ça, à Koutana, à tout moment, le président, trafic d'influence. Madame Fifi Masuka, donc, à bandit planification, mon robot, comportement, au hasard, même à niveau là-bas, c'est tout à fait la femme Jézabel, y a Bible. Moi, je viens du Katanga. Madame Fifi Masuka, à bandit politique, au babenga, y a chasse aux sorcières. Donc, batoutou, bazala, y peut mener à mouège. Chasse na bango. Na rotang ya mino baka, c'est-à-dire, même ba journaliste oh, d'investigation, mingi bazana ki chasse awa. Ba kimi lualaba, à cause ya madame Fifi Masuka, la Jézabel de lualaba. Journaliste Ben Akeli, à kimi lualaba, azaliao. Journaliste Henri Kalala, Clément. Henri Kalala, à kimi lualaba. Azaliawa. Communicateur Yamouège, Clément Kabembo, Akimi Lualaba, Azaliawa. Tout ça, Eza, Azo traqué ba journaliste, na marque Moroboy. Madame Fifi Masuka, Azo fragilisé même l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Azo manipulé même ba cadre msou ya UDPS, na niveau ya Lualaba.
À part politique, il y a mafia. Madame Fifi Masuka, intérimaire, n'a pas été intérimaire à la décision. À suspendre, au babengi, ministre provincial, il y a budget. Monsieur Trésor Lutongo. Monsieur Trésor Lutongo a budget, à suspendre. Madame Fifi Masuka, à suspendre, ministre de l'infrastructure, Norbert Mbangu. Pour aller bisaguer que ma cambozo lingo sa nanzelo et ko simbate. Donc, a zo intimidé batou politiquement à niveau ya Lualaba. Lualaba a place to zoa quelque chose. Madame Fifi Masuka, a zo linga salo babengi élimination politique. Ya l'un des leaders ou aza ministre amine na niveau ya Lualaba kombo nae ki Kizangai. Ministre Amine Kizangai. Tizainga. Le ministre Amine Tizainga. Azolinga. Atae. Kotoyo. Azo take sous directeur à cabinet. Ya ministre Amine Eric Kisola. Azo take Tizainga ministre Amine a éliminé politiquement. Donc, na niveau Lualaba, Makambu et Zabongo. Fifi Masuka étant sur des récits. Avec la corruption, Azolinga a corrompre ba parti nyonso. Le ko azo a komi ko zo mbongo a Lualaba ko ya ko pesa ba juge pour ba valider que Mouez Akwei, Richard Azasuste, Fifi Masuka a corrompre ba parti nyonso pour abima o ba bengi candidat unique ya Union Sacrée l'Assemblée provinciale ba élire gouverneur. Mais gestion terrible, catastrophique. Na niveau Lualaba. Pour camoufler, ba mes gestion nae le 15 septembre 2021 ayaki ko sala eloko mo ba bengi budget ya clarification pour bomba makambu nae o nyo sa sala. Na ko révéler binosko mafia nae si parce que on est là, on est l'œil du peuple. Mafia Lualaba nous tous il faut to loba que nous sommes Lualaba, c'est là où ba coltane bimaka, c'est là où Makambo ezali financement toko toléré te mafia za lakuna. Mafia oya osala na na banina na mambo ya infrastructure. Il y a un projet de construction ya autoroute, il y avait un projet de construction ya autoroute. Pendant exercice à pouvoir ya Richard Mouej. Projet wana elingaye ya la financer na o babengi société Copeco, c'est-à-dire Société de péage du Congo. Na société Oelinga réalisant et la société Grete. Madame Fifi Masuka l'air aillé à longoli contrat wana na société wana donc société péage Oelinga bando zoba mbongo nango pour e financer. Ya longoli akei kobimisa na caisse ya province 68 millions de dollars pour na ko réaliser route oyo et n'a que coûté 19 millions. L'air ministre y a infrastructure a eko convaincre yé Amérique convaincre yé à l'obi bon na partager na tiki la crête na société de péage côté Ndambou ngana ke côté Ndambou. Côté Makambo et Tali, éclairage public, na loi là-bas. Madame Fifi Masuka a quelque chose entreprise. Evince Congo. Et ça, entreprise, il y a un Ivoirien, beau frère, il y a Laurent Gbagbo. Pour battre ma poto moroboe, na oba bengi, ba PVC. Donc, battre ma poto moroboe, entreprise en haut, il y a monsieur, oba bengi, Stéphane Kipili. Aza Stéphane Kipili yana aza bon frère Laurent Gbagbo neti na mboko yo batu basa makambo na zati pour poto moko batie na combien poto moko ya PVC na barre de fer batango na il fallait ba sal au moins 5000 poto dont 2000 poto pour Kolwezi 3000 pour d'autres territoires poto moko bango na société na bango ya COP wana. Conseillez-moi à présent, par exemple, à la COP wana, ou à même marché, comme on est nani, yangonde, le président, hein,
et mal entouré par des businessmen, ba toi miyi bi ba bunda te ba mela ba gazite. Comme on est nani, alsangé loti. Comme on est Dani Banza. Yenda me mai marché wana, na ide, na poto moko. Pona bango. Poto moko pona bango. Eza na 5000 dollars. Na société na bango ya ivoirien na bango de quoi Laurent Gbagbo. Poto moko ya mwinda 5000 dollars. Au moment où société mon local Dev Solaire ezo sali sa poto moko ya mwinda na 1400 dollars. Bo mona ki moibi. Ya fifi masuka. Tolongwe wana. Evans ya Laurent Gbagbo. Et yen dengenin. Et yen a oba beni pré-financement de ba société ba ya kababi ke biso to finance nan. Et 20 soane yen a pré-financement ya oba beni 26 millions de dollars. Pour taux de remboursement bénéfice, et gozala 31 millions. Donc, tolobi ba gozoa 6 millions 900 000 dollars. Pour na ba poto na bango ya PVC. Oyo fifi masuka ba okabola na ivoirien na Laura Banza Dani Banza na Dani Banza ba conseiller ba okabola mbongo wana 6 900 000 dollars ba bimsi mbongo ba che ba poto moso boke lwala ba boko kutango ezokuya ezana makambo ebele. Oye zo salama na niveau ya loi là-bas, mais pour couvrir cette mafia des infrastructures, madame Fifi Masuka a eko invité ba confrère na bino ba journaliste. Oh, nazo regretter fort pour na Israël Mutombo. Si c'est et si la rakana o ba bengi na acte moko pour ya récupérer et gozo autant. Sango batu bazo yokai. Madame atindi jet. Fifi masuka atindi jet bazwa. Batu ya boso na politique. Bame mabango kuna. Boba kende ko soigne image. Na mafia o nyo sozo sala. Kuna na niveau. Ayeko zwana journaliste mwoboe. Na ko sala même na bemission. Na soki Piero soki na nyangwana. Komne ya na so Piero Luawa. Soko taliye soki na nyangu Piero wana. Soko talien denga sala ba émission au komona N. Donc yé à part déontologie a inané déjà présent Félix. Ligne éditoriale ya chaîne ayé eza dire les mal de Félix. Fifi Masuka oyo azo lobake azo soutenir Fati akeko azu des journalistes wana. Na oya finga ka Félix. Na sango a memi bango kuna na lwalaba po bakini. C'est ça le journalisme ya Congo o batumisu ba komi ko sala. Toyo ke na mama fiamine. Minere. C'est que c'est notre sous-sol là. Poto 6. Fifi Masuka azana coopérative mode d'exploitation o somba ka coopérative komo nango komi Komi Bakat. Fifi Masuka a exploité 10 carrières Yamine. Yemo Wazana 10 carrières Yamine, Yamabanga. Donc, Dengazana a multi-millionnaire. 10 carrières Yamabanga, Azoko Samisu Sugeza, famille présidentielle, Azoko Samé, famille présidentielle Makambu. Fifi Masuka, sala gouvernement parallèle constitué. Yabao ba bengi ba conseiller nayi. Madame Fifi Masuka azo sala o ba bengi politique ya chapelet de bonne intention. Mais na kati ayende cop. Madame Fifi Masuka a suspendre Norbert Mbangu qui est magasa ministre ya infrastructure yenda zalaki administrateur ya route moko oyo ba camion minene le kakana ba minere. Donc a suspendre pour à remplacer na mwana nae Jefté Masuka. Mwana nae a contrôler route wa ba futa rambongo.
Madame Vivi Masuka a dit moi n'en ai pas ça la intérim y a ministre Abidjan. Moi n'en ai. Madame Vivi Masuka, moi n'en ai chef de Masuka, a zot ça la soit intérim y a directeur à cabinet y a économie. Bon, mon abatunde baozoa, Congo Lokola, a fait randa kunabango. Madame Vivi Masuka a perdu construction. Il y a 6 km, il y a un caniveau. Na moi, na nae, kombo nae, na isa Masuka. Azape na entreprise nae. Après 6 km, il y a un caniveau. Donc, 1 500 000. Donc, kounez a un chiffre, ba million. Donc, un million kak. Donc, oh, ba ben yiko. Contrat, moi, dans la salle de société, moi, je suis maçon, moi, je suis à PC, ça, 6 km. Je suis à Bimara, je suis à million. Je suis à million. Madame Vivi Masuka a tindi 10 personnes bazar na Kishasa. Je suis à Gombe. Je suis à Bale, je suis à émission. Je suis à Makambu. Bazar yana Kishasa so na hotel mo campo so wapi ona na Gombe. A Saint Instant ici. Madame Vivi Masuka ba tunaye ba communicateur na ye. Ba zongi si langage ya 1992 ya épuration ethnique contre Baluba na Lualaba. Ce qui est condamnable. Toujours na makambu ya mine. Pour contrôler o babengi ba véhicule ba mine. Na époque ya Mouège. Basala ke loko moro boe po na ko balance mo ba benga ango. Donc basala ke loko moro boe balance mo ba benga ango pon balance. Madame Vivi Masuka botoli on a ministère amine a komo gerango ba kenda ko sala factir même na nzela. OK, ba factir banda o sala mana o ba bengi DR Lou, c'est-à-dire une DG cannabis soir. Direction des recettes de Lualaba. P na anti fraude. Yé à Longol Makambwana Kuna, a eu deux personnes à Mboué, balanda ba voiture, même dans Zela, basali ba quittance, ba bete ba caché, ba lexi, ba voiture, ya ba minéré. Madame Vivi Masuka, pour na ko éliminer ministre Amine Tizainga, a accusé que, a détourné, pour Tizainga, le quoi Mouège, Samuel c'est Tizainga à Lualaba. Pour éliminer, pour y avoir l'unique candidat dans le cadre de l'esprit, il y a un pays, il y a un candidat unique. Madame Vivi Masuka a acquis Tizainga que a Ibi Mbongo, il y a fonds de promotion pour la promotion des petites mines. Bah, 10% moins côté à Kawana. Ok, Mbongo, on a eu un lobby qui est allé pour la crézère. Mbongo, on est allé à la paix, ça a un jeune géologue. Bakende ko luka ba zone o ba mineza na cadre ba exploiter tout ça eza makambo Tizainga madame Fifi Masuka azo sala kota Lualaba mais à tout moment zana kin ko pesa ba conseiller misusu ba mbongo na cadre ya ko corrompre na zo électeur opinion le peuple Lualaba président kende una lobby na bango il faut ba vivre o eza na mabele na bango. Toti kako kolanda ba sourire ya femme wana na cadre. Et je suis en train de dire ça. De haut, tu vois qu'il y a une mafia bien planifiée, organisée na niveau ya Lualaba. Pona makambo yo toyokaki Denis Sesanga Longwe Union Sacrée na osuki ça tout simplement. Il y a d'autres politiciens, bazaba politiciens caméléon. Le loisa jaune, le baza rouge, le baza chocolat. Pour la magambo, il y a François qui a failli na Kabila. Je regrette ouais, fort. Comme j'avais combattu la coalition FCC Cash, la coalition, si c'est le François, si c'est quoi là? Oh, Fayoula Sali, Fayoula Yende a démasqué au Babengi. A Longoli masqué.
Fayulu, quand je disais aux gens qu'il était au Babengi, un lieutenant de Kabila, Batbanda Yoba, au Nazo Kosa. Fayulu nda sala kimbuta, azwa, mboka oyo, vila kishasa, au détriment ya Dabomboli. Fayulu, tu serais d'après sa mot d'ordre, Batuba Kota na parlement, te Fayulu a Kota. Fayulu a sala meeting na Saint-Thérèse, aloba ke, ndengeza boe Félix, sépare-toi de Kabila, tu es mon frère Félix, sépare-toi de Kabila. Le loup Fayulu a commis aller à Kabila. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Je vous avais appelé pour na couper Sabino, moi, restitution. Il y a ce qui se passe au niveau de Katanga. C'est ça la situation au niveau de Katanga. Le peuple lualabin, le peuple katangé ne vit pas au Balobi. Bilo kweza na mabele na bango. Donc moi na moi Simo Ayewana, azo se comporter neti Michel Gbagbo, aza na moli momo neti ya Jezabel, kombo ne Fifi Masuka. Donc c'est ça la situation du Katanga. On ne peut pas négliger là où quelque chose est bimaka. Je dis, je vous remercie. Voilà, merci que tu as vraiment beaucoup de temps. Il y a tant peu confiance au PC dans Plus Claire Télévision. Oyo, vous avez dit que vous avez dit que vous abonnez massivement pour partager l'émission de Bisso. Vraiment, que vous avez dit que vous avez dit que ma caméra. Vous avez dit que vous avez dit la régie finale. Cordon pour ma fouille, Joël Comina Combelaise, Joël Bonagou, chasseur d'images. Quant à moi, grâce à moi, je vous dis bye au prochain numéro.